Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est McFly Best Training. J'espère que vous vous portez bien. C'est toujours un plaisir de partager avec vous où que vous soyez dans le monde. Je vous ai souvent parlé des bienfaits d'une activité sportive régulière, en particulier au sujet de la musculation. Le thème de la vidéo n'étant pas de débattre sur le fait de considérer la musculation comme un sport, vous connaissez sûrement ma réponse. Je considère la musculation comme un sport de la même façon que certains considèrent les échecs comme un sport mental. Pour moi, la musculation est un sport physique et mental. C'est un sport intelligent, quoi que l'on puisse dire. Pratiquer la musculation doit se faire intelligemment pour éviter les blessures et autres complications qui peuvent s'amplifier avec le temps. Aujourd'hui, je vous parle du manque d'entraînement. Il est évident que le ressenti pour un non-pratiquant ne sera pas le même pour un pratiquant régulier. Si vous avez goûté à la performance durant une certaine période, vous avez appris à ne plus subir un entraînement comme à vos débuts. Vous avez appris à atteindre l'échec musculaire, apprivoiser la douleur musculaire. Il est certain que vous avez fait l'expérience d'un corps ferme et tonique après des années de pratique. Il était donc nécessaire, si je peux le dire ainsi, pour moi de faire l'expérience du non-entraînement pendant une période de 3 semaines. Je peux vous confirmer que mon état s'est dégradé sur un plan physique et mental. J'ai commencé par me sentir faible. J'ai vu mon corps se relâcher, stocker avec beaucoup de facilité de la masse graisseuse. J'ai perdu ma démarche pleine d'assurance. J'ai senti grandir en moi la paresse, le manque de volonté. La reprise de l'entraînement depuis peu m'a redonné très vite ce que j'avais perdu. Un mental et un physique complémentaires. Le sport, la musculation en particulier, n'est pas seulement une affaire de forme physique, c'est une thérapie réparatrice. Car il ne faut pas oublier que pour les gens victimes d'accidents, fractures et autres nécessitant l'immobilisation d'un membre, nécessite une rééducation par la suite pour retrouver une bonne mobilité. Et cela passe obligatoirement par la musculation. Saisir un objet, aussi léger soit-il, c'est de la musculation. Il faut juste intégrer la notion de répétition et de série. Aujourd'hui, je suis en pleine reprise. Cette expérience m'aura permis d'apprécier encore plus ce beau sport complet. Mon matériel actuel étant rudimentaire sera le sujet d'une prochaine vidéo. Mes chers amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt.